Grâce à l'artiste et à sa pratique artistique, les enfants ont donc découvert l'art de la gravure et se sont concentrés sur les plantes dunaires du territoire, des sites classés de notre territoire, qui est aussi une compétence de l'agglomération, et ont réalisé donc un atlas de la flore dunaire, donc autour de 36 plantes. Donc ils ont illustré ces 36 plantes en compagnie de l'artiste et avec l'artiste, et cela a donné lieu à une édition donc d'art. Donc cet ouvrage sera édité à 400 exemplaires qui seront donc au bénéfice des scolaires qui ont participé au territoire, mais aussi de nos partenaires.